Forti avia idaui oarta kati tui mo ane a anda undi kote no nangi sanjata oldemako tamai Go.

a foti awia i da oe o wartan kadi te he a anda hunde gote no le orwe nange sanjata Wolde ma kota mai sanju to oware mche men to o waji Jemen, to omai Jemen, to umiti dum Jemen, to owartan -um Jemen, minjaran ajal na, ingel shinam, mosanam, ingel shinam. mosanam mingel shinem mosanaham mingel shinem mosanam ander ternde alla'am mingel shinem minatinte fajeram mingel shinem nder ternde motagiyam

Bia semain adresto vredeika wa anas marosa. Luda en wa in elaben de la feta udali gal sakor. Mon ramita udali frumorosh. Intalageman adita wa anna alajeta. Barajesta udali valtei. Mon père est mangé. Je prends contrôle ce matin. Je prie pour des milliers de personnes qui seront connectées ce matin, qui sont prêtes. À expérimenter ta grâce, glorifie ton nom. Seigneur, que ta majesté majestueuse soit majestueusement révélée au milieu de nous. Que cette journée, nous possédions ses portes, que sa porte nous soit soumise, afin que la grâce de cette journée soit portée jusqu'à nous. Prends contrôle, Seigneur, donne un esprit ouvert, un entendement d'ici, un cœur humble, pour comprendre ce que tu fais et pour aller où tu vas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, que je te bénisse, s'il vous plaît, je vais renommer un peu la vidéo. Non, ici, si est-ce que c'est possible Comment on fait pour épingler Il y a une manière de faire la pour épingler. Pour épingler le thème, s'il vous plaît, 11. Vraiment, les choses de blanc. How can we do it now Thank you Father. Que Dieu te bénisse s'il te plaît. Euh, Connecte-toi et partage la vidéo. Partage la vidéo s'il te plaît, partage cette vidéo. Avant de t'asseoir à la Rema Facebook, Rema Facebook Church, partage la vidéo s'il te plaît. Et comme tu partages, que le Seigneur te bénisse. Dans le nom souverain de jésus -Christ. nous voulons posséder la porte de ces journées de mardi nous voulons la posséder dans le nom de jésus christ seigneur nous te bénissons la miraden wa inna brostoco wa nao arban salaka saladen wa innes promidal ferazi zuriak wa innes prodeikalos in au am valoka Seigneur, la gloire, la louange te reviennent pour l'éternité. Prends contrôle ce matin. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette nouvelle journée. Les gens ont tellement revendiqué l'émission de 6 heures. Donc, nous revenons sur 6 heures. Vous comprenez? La semaine passée, on a décalé un peu à cause de mon programme. J'ai voulu m'adapter aux réalités quotidiennes de ma vie ministérielle. Donc, là maintenant, on revient à 6 heures. Prenons les portes. Nous possédons les portes de chaque journée à 6 heures, chaque matin. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons prier au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, nous te bénissons. Disons merci à Dieu pour cette journée. Seigneur, nous te disons merci pour les dons de cette journée. C'est une grâce. Que ton nom soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Seigneur, nous voulons marcher dans ta présence en cette journée. Nous voulons ne pas négliger ce don magnifique que tu nous as donné. Nous voulons l'apprécier à juste titre, à sa juste valeur. Nous voulons glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous allons avoir éprouvé tout au long de cette journée. Seigneur, sois notre berger. David a dit, Yahweh rohi lo eshar, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci parce que tu nous as exaucés, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière avec foi, ça veut dire que le Seigneur vient de te bénir et ta journée sera bénie. Oui, tout ce que tu entreprendras sera béni. La gloire de Dieu t'accompagnera et te distinguera partout où tu seras. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, demandons à Dieu de conduire nos pas dans les sentiers de la droiture et de la justice. David a dit ta parole est une lampe sur mon sentier. Demandons que la parole d'Adonai Elohim puisse être notre lampe tout au long de cette journée, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, que Dieu nous donne du discernement, qu'Il nous accorde de l'aimer, qu'Il nous accorde de le craindre, de l'obéir, de lui obéir, Seigneur, de lui obéir dans tout ce que nous aurons à faire un cœur de chair nous soit donné, que nous ne marchions point loin de ces commandements. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur à t'aimer, à te craindre. Donne-nous par ton esprit de marcher sur les sentiers de la justice, de l'intégrité, de la sainteté devant toi, Seigneur, de mettre en pratique tes ordonnances pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Seigneur, loigne-nous de tout chemin mauvais, du chemin du mensonge, du péché, de l'ingratitude, de l'injustice, de la haine, de la jalousie, des compétitions vaines, de l'orgueil, de la moquerie et de toutes ces choses méchantes. Seigneur, mais donne-nous de marcher dans ta vérité, selon ton esprit, pour glorifier ton nom et atteindre les buts que tu nous as fixés pour cette journée. Merci, Garitawa Annoslaï. Merci parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit béni au nom souverain de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec foi et avec tout ton cœur, ça veut tout simplement dire que l'Éternel est ton berger tout au long de cette journée. Il te gardera, il te guidera, il te conduira et il veillera sur ta vie à longueur de cette journée pour t'accompagner, pour que tu marches dans la droiture au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre possession de la porte de cette journée de mardi. Vous savez, parfois l'ennemi prend possession des portes de nos journées, et ainsi de nos vies. Parce que si quelqu'un prend les portes de toutes tes journées, il a pris les portes de tes mois. Et si quelqu'un prend les portes de tous toutes tes mois, de douze mois, il a pris les portes de ton année. Et si quelqu'un prend les portes de tes années, il a pris les portes de ta vie. Donc nous devons être très jaloux des portes des journées que Dieu nous donne. Celui qui possède la porte de sa journée, de ses journées, Possédera les portes de ses mois, les portes de ses années, ainsi les portes de sa vie. Il y a des jours où tu peux avoir contrôle sur la porte de ta journée. Il y a aussi des jours où Satan a contrôle sur les portes de ta journée. Et ça, c'est un rapport de force que nous devons changer. Constamment, je dois être maître des portes de ma vie. Nous allons demander à Dieu Seigneur, je prends possession, donne-moi autorité et possession sur la porte de cette journée. La Bible dit que sur le mont Sion, il y aura le salut. Et la montagne de Sion, il y aura le salut, elle sera sainte. Il dit La maison de Jacob reprendra ses possessions. La wa Anna Nous prenons autorité et possession sur cette journée. Au nom de Jésus, nous la contrôlons. Elle ne nous contrôlera pas, nous la contrôlons. L'ennemi ne la contrôlera pas, nous la contrôlons. La malédiction, la maladie, les échecs, les déceptions, les pleurs, les larmes ne contrôleront pas notre journée. Nous prenons contrôle sur cette journée. Nous sommes dans la prière au nom principal de Jésus. Seigneur, nous demandons au nom de Jésus. Nous soumettons cette journée de mardi. Nous la contrôlons. Nous prenons autorité sur elle et nous prenons possession de sa porte. Seigneur, je prends possession de la porte de ma journée. La porte du programme de vie que tu as pour moi pendant ces 24 heures. Seigneur, nous contrôlons cette journée. Rien de mauvais ne sortira de ces jours. Nous bloquons tout ce qui a été dit de mauvais par l'ennemi sur ces journées. Pendant que nous dormions, toute imprécation, toute euh, manifestation maléfique, Seigneur, nous annulons cela et nous écrasons, nous anéantissons et, et néantisons cela. Seigneur, nous détruisons cela, nous démolissons cela, nous dés désagrégons tout rassemblement, toute conspiration en cette journée, tout programme, projet d'empoisonnement, d'accident. Seigneur, nous détruisons ces choses-là, nous anéantissons, nous annulons, nous annihilons, dans le nom souverain de Jésus par le sang de Christ, tout plan malveillant de nos ennemis. Seigneur, nous changeons leur méchanceté en notre faveur, nous changeons leur mal en notre faveur, et nous contrôlons la porte de cette journée, et nous disons porte de cette journée de mardi, nous te bénissons, et tu ne donneras que ce qui est béni, les meilleures productions de cette journée, tout ce qu'il y a de meilleur que ce jour peut nous donner. Nous prenons cela au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait ce prix avec foi, tu viens de prendre contrôle de ta journée. Et ta journée est bénie. Elle ne te produira que bénédiction, grâce, réussite, succès dans toutes tes entreprises. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, regardez. Vous savez que euh, les journées ont moins de longévité que les hommes. Les journées ont moins de longévité que les hommes. Il faut savoir cela. Avant que tu ne meurs là parfois, c'est des milliers et des milliers de jours qu'il te faut pour pouvoir. C'est-à-dire que le, le, les journées sont un peu comme la nourriture de nos vies. Nous consommons les journées. Plus tu manges euh, de tes journées, des journées, plus tu, tu vis longtemps. C'est un peu comme euh, le fruit euh, de la connaissance, euh, l'arbre de la vie, le fruit de la vie dans le Jardin d'Éden. Plus Adam mangeait de ce fruit, plus il vivait, plus Ève mangeait de ce fruit, plus il vivait, plus tu consommes. Des jours plus, on dit que tu vis longtemps. Dans ceux qui ont moins consommé de jours, ceux dont la vie a été pauvre en journée, sont aussi morts très tôt. Donc nous prions que Dieu te donne de consommer, que ta vie se nourrisse. Ça veut dire des milliers et des milliers de jours ou des milliers et des milliers de jours afin que tu puisses mourir heureux, rassasié de longues années. Que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut savoir que nous avons de très grands programmes tout au long de ce mois. Déjà, je voudrais rappeler à tous nos enfants, que ce soit dans toutes nos églises au Cameroun, hors du Cameroun, prenez à cœur euh, la, la conférence des bienfaiteurs. Vous qui nous regardez à distance, plusieurs d'entre vous, vous avez perdu votre premier amour. Ainsi que l'engagement à servir Dieu en tant que bâtisseur de la maison de l'Éternel. Plusieurs envoyaient leurs euh, semences de bienfaiteurs. Avant, mais aujourd'hui, vous êtes tombé dans le refroidissement. Donc, j'attends quelqu'un qui dise Seigneur, je reviens à mon premier abo, les premières œuvres de justice que je pratiquais et que j'ai abandonnées. Seigneur, je voudrais euh, me réconcilier avec mon engagement chrétien d'avant. Je voudrais me réconcilier, Seigneur, à la consécration que j'avais pour ta maison et pour ton œuvre. Et si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ te bénira. Et n'en parlons pas des, des frères et des sœurs de rema qui sont au Cameroun et de nos amis, nos collaborateurs, ceux qui nous aiment, plusieurs d'entre vous, vous vous avez rétrogradé dans cet engagement. Donc je pense que l'Esprit de Dieu voudrait que tu renoues avec cette manière de servir Dieu. Oui, la Bible dit que nous devrions servir Dieu avec les prémices de tous nos revenus. Donc si un chrétien ne sert pas Dieu, Dieu ne te coûte rien dans ta poche, mon ami, tu n'es pas en train de servir Dieu. Je te dis la vérité. La Bible nous a parlé de ces choses-là sous plusieurs formes. On ne peut pas servir Dieu sans offrande. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. D'ailleurs, il n'existe euh, presque aucune religion où il n'y ait pas d'offrande ou de sacrifice. Ouais, donc, il faut comprendre cela. Dans le christianisme, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas d'engagement chrétien, sans engagement de service avec les finances, avec le matériel. Ce n'est pas possible. Il y a les offrandes, il y a les dîmes, il y a des dons volontaires, il y a des collectes. Là, le Nouveau Testament ne parle pas tellement d'offrandes que les croyants, c'est-à-dire les croyants euh, se, ne se limitaient pas à la prière, à demander à Dieu, mais ils investissaient. Dans le royaume de Jésus. Donc, euh, si le royaume de Jésus ne vous coûte rien, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore connu. Parce que ceux qui ont connu Dieu, je vous dis la vérité, dans toute bénédiction que Dieu leur donne, ils ont toujours quelque chose à cœur. Pour Dieu, même ceux qui sont loin, ils envoient toujours quelque chose. Quand vous comprenez cela, ça devient un culte pour vous. C'est un culte. C'est-à-dire que l'offrande, les, 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 les offrandes volontaires, les, les dîmes, et, etc., ce sont des choses qui font partie du culte chrétien. Donc quand vous enlevez cela de votre pratique chrétienne, vous ne vivez plus la vie chrétienne comme cela se doit. Donc c'est important de donner de la valeur à ces choses-là. Chaque croyant doit se dire voici le mois qui est en train de venir. Qu'est-ce que je ferai de la conférence des bienfaiteurs Qu'est-ce que je présenterai à l'Éternel, mon Dieu C'est important. Et le 25, nous avons deux cultes de plainte. On a des cultes de plainte. On a à Yaoundé et on aura un culte de plainte détaché à Douala. Le culte de plainte, c'est quelque chose de sacré. Mes amis, ça devait être quelque chose qui procure ta famille. Ça veut dire qu'on prépare une grande fête devant son Dieu. Ça devait être la même chose pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos familles. En train de préparer le culte de plainte. Ma maison et moi, nous irons nous présenter devant l'Éternel. Et là-bas, nous nous plaindrons devant le Seigneur. Vous savez, quand nous parlons du culte de plainte à l'Éternel, la Bible dit que si vous péchez, il dit il « dit, Venez, plaidons ensemble ». Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ça la plainte. Vous voyez? Dieu dit, il faut venir. Il demande à son peuple de venir et de se plaindre, de plaider sa cause, de parler. Il dit, parle, je vais t'écouter. Dis-moi ce qui ne va pas dans ta vie. Dis-moi ce qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il faut pour ta vie? Sur tes enfants, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu voudrais que l'Éternel fasse pour toi? C'est ça le culte des plaintes. Jésus-Christ avait l'habitude de dire à ceux qui le suivaient, que veux-tu que je fasse pour toi? Il veut que tu parles. Il sait ce qu'il faut pour toi. Est-ce que Dieu ne connaît pas tes besoins Mais il veut que tu t'exprimes comme un enfant, que tu lui fasses confiance. Parce que pour qu'un enfant demande à son parent, c'est un signe d'humilité, un signe de confiance, un signe de complicité, d'attachement. Si vous n'êtes pas attaché à une personne, vous ne lui demandez pas l'argent. Si vous n'êtes pas attaché à une personne, vous ne faites pas confiance à une personne. Vous n'allez pas, mon ami, exposer vos problèmes, vos besoins à cette personne. Dieu dit, venez, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez, plaidons ensemble. Parlons. Dis-moi, je vais t'écouter. Si tu es fâché, explique-moi. Parle-moi. Parce que c'est normal. Dans sa vie, elle est montée à Silo pour se plaindre devant Dieu. Elle a dit à Dieu, non, ce n'est pas possible. Moi, je suis une femme vraie. C'est quoi ça Est-ce que la connexion peut faire C'est un problème de connexion et de réseau. Donc, et puis, Anne de Silo a dit non. Elle est montée à Silo. Elle a porté plainte devant le Seigneur Dieu. Et elle se plainte au culte. C'est un culte de plaintes. Elle se plainte. Devant l'éternel, je vous dis la vérité, cette femme stérile est retournée avec l'enfant dans son ventre. Vous voyez. Donc, nous négligeons tellement les choses salutaires. Mais nous donnons tellement d'importance aux choses inutiles. C'est ça la vérité. Donc, le culte des plaines doit se préparer comme une fête à l'éternel. Normalement, c'est le genre de culte que, même ceux qui sont à l'étranger, parce que ce culte vient chaque trois mois. Même ceux qui sont à l'étranger doivent venir. C'est ça qu'il y a des stylos ouin sur lesquels j'ai prié. Il y a des formats ouin. C'est donc tout ce qui est présenté pendant ce culte est sacré parce que consacré à l'Éternel notre Dieu. Il y a des silos, oui, il y a des formats ouin qui sont à disposition. Il y a l'huile de faveur qui est à disposition pour tous les croyants, Vous voyez, pour tous les croyants. Et puis toutes ces choses-là sont mises à notre disposition. Il y a aussi l'eau ouin qui est distribuée et nous prions et Dieu se manifeste et nous voyons la gloire de Dieu. Donc le culte de plainte c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour des moments sérieux intimes. Avec ton Dieu, où tu viens avec tes enfants jusqu'au nourrisson, à la mamelle, jusqu'au bébé, pour le présenter à l'éternel Seigneur, me voici. La vie dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ouais, C'est très important. Donc, si nous comprenons ces choses, nous serons sauvés, nous serons heureux. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main soit sur toi. Nous avons la nuit de prière, le culte de plein, le 25, dimanche le 25. Donc, même ceux qui sont loin, à l'étranger, tu peux envoyer ton offrande. Tu peux envoyer. Ton offrande familiale, parce que je me avec une offrande familiale spéciale pour présenter nos familles devant l'éternel, notre Dieu. Selon ce qu'il dit, que l'on se présentera point devant ma face, la main vite. Donc nous le faisons et le Seigneur nous bénira. Et Dieu ouvrira encore plus les portes devant nous et il fera avancer nos familles tout entières. Donc toi qui es loin, tu peux, on va te juger, prière. Il y a un numéro WhatsApp, tu vas te juger, prier là-bas et Dieu te, te glorifiera devant tes ennemis, Dieu consolera ton cœur. et prouvera qu'il est ton Père et ton Dieu. Que Dieu te bénisse au nom du souverain Jésus. Que la sagesse de l'Esprit vous conduise tout au long de ces journées. Et je surtout que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la quintessence, la, la, la quintessence, la perspicacité, la pertinence. De ce que je viens de vous dire, parce que c'est importantissime pour tous ceux qui font profession de service Jésus-Christ. I bless you, and I love you, I love you so much. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur et nous allons lire un verset dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, nous voulons bénir le Seigneur. Seigneur, nous avons une bénition. Prends contrôle, Seigneur. Je prie que cette parole nous aide et nous édifie au nom de Jésus. Amen. On a un grand séminaire sur le mariage et bâtir la famille. Et pour toi qui est déjà marié, c'est important, pour toi qui penses te marier, c'est important pour toi qui ne pense même pas te marier, tu peux donner des conseils à quelqu'un autour de toi sur le mariage. Dans tous les cas, nous tous nous sommes concernés par les lois maritales, par le mariage, par l'enseignement euh, sur le mariage, que ce soit euh, ceux qui sont célibataires, les mariés, les divorcés les veufs, les veufs, nous tous nous sommes concernés par la question du mariage, c'est fondamental. On peut pas séparer la vie d'un homme avec euh, le mariage. Donc Écoutez bien, mes chers amis, le Seigneur est vivant et sa main est forte et sa gloire est au-dessus de toutes choses dans nos vies. Quand nous lisons dans ce passage, nous avons déjà le séminaire de mariage qui va commencer encore ce soir à Yaoundé, pour l'église de Yaoundé. Donc si vous êtes à Yaoundé, dans les environs de Yaoundé, ne manquez pas. Ce sera à la bière. Vous arrivez au carrefour quoi bon, vous demandez qu'on vous amène à la bière. Venez à la bière et assistez à ce séminaire qui commence à partir de 17h. Heures. 17h heures, top pile, nous commençons. Donc euh, ne manquez pas. Viens bâtir ta vie, viens bâtir ton âme, ton esprit devant le Seigneur, viens affermir ta foi devant l'éternel, ton Dieu, et laisse que Dieu puisse être le maître de ta vie sentimentale. C'est important. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons aujourd'hui tellement, tellement de gens qui racontent des inutilités sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont permis de partager la connaissance dans l'Église. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas des hommes de Dieu, des frères et des soeurs en Christ, ont manifesté une grande sagesse, une très grande sagesse dans les réseaux sociaux, partageant des expériences euh, édifiantes avec le Seigneur qui nous ont fait avancer. Nous avons beaucoup gagné en suivant les réseaux sociaux, mais aussi en même temps, beaucoup de folies ont aussi été partagées sur les réseaux sociaux, et détruisant parfois nos vieux, troublant les couples. Vous savez, il y a tellement de doctrines, de fausses doctrines. Des doctrines qui n'ont aucune inspiration venant de l'Esprit de Jésus-Christ et que nous avons croisées dans les réseaux sociaux, ou bien dans des forums, dans des conférences concernant la sexualité chrétienne ou bien euh, la tenue euh, d'un mariage chrétien ou d'une vie conjugale chrétienne et qui parfois ont détruit les relations paisibles qui existent entre un homme et sa femme. Vous voyez, on a vu beaucoup de choses comme ça et j'ai été témoin de beaucoup de foyers qui étaient en paix ou bien qui vivaient une certaine vie. Qui pratiquaient leur vie sexuelle d'une certaine façon. Et soit la femme va entendre des choses dire, dites dans une conférence et va revenir, va changer. Elle va dire à son mari Non, 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 on ne peut plus faire l'amour sur le lit. On peut, dans le lit, on ne peut plus faire l'amour sur le canapé parce que ce n'est pas biblique. J'ai suivi un séminaire où on, disait, où on disait telle, telle chose et que ce n'est pas bon. On ne doit pas faire l'amour sur le canapé parce que Abraham ne faisait pas l'amour avec son épouse dans un canapé. Donc, c'est un problème sérieux et ça porte des problèmes inutiles. Donc, il faut comprendre que personne ne doit venir vous dire ce qu'il faut faire dans votre foyer. Voilà, je ne peux pas, même moi qui suis votre père spirituel, pour ceux qui sont mes fils, je ne peux pas venir vous dire que non, euh, voilà, n'ayez pas de rapport sexuel sur les canapés. Non, faites attention, il ne faut pas aller dans le lit, accroché, vous plutôt sur l'armoire. Non, je ne peux pas le faire. Parce que chacun de vous a son modèle philosophique sexuel. Et il faut respecter la philosophie sexuelle de votre couple ou bien votre philosophie maritale, la manière dont vous voulez vivre. Mais. Le seul conseiller qui donne des limites, c'est la Bible. Il y a des pratiques sexuelles dans un couple que la Bible interdit. Même si vous êtes enfant de Dieu, c'est interdit. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes permis d'aller faire n'importe quoi dans votre couple. Par exemple, la sodomie, bibliquement, est interdite. Il faut comprendre cela. C'est interdit. Donc, euh, et la partouze est interdite. Il faut faire attention. Ça veut dire que la et c'est quoi Ça veut dire que dans votre couple, dans votre sexualité... Vous avez, il y a ce qu'on appelle les couples échangistes. Vous voyez, les couples échangistes, ça veut dire que oh, on a des voisins, un, un couple voisin, on se rencontre et puis je prends ta femme et tu me donnes ta femme. Et on, puis on, on a des rapports sexuels comme ça. Ça, c'est un peu des, ce qu'on appelle les couples échangistes. C'est démoniaque. Vous voyez. la Bible interdit cela. La Bible dit dans le Proverbe que pourquoi des étrangers boiraient-ils de l'eau d'Ascythène Ça, c'est de l'euphémisme, mais il euphémise sur la sexualité dans le couple. Vous voyez, il parle de la sexualité, il parle de la femme. Le puits, c'est ton épouse. L'eau, c'est le plaisir sexuel euh, que tu as. Vous voyez. Donc, euh, il dit, pourquoi euh, quelqu'un des étrangers auront-ils des rapports sexuels avec ta femme Il dit non. Que ton puits soit scellé. Toi seul dois boire de l'eau de ton puits. Voilà ce que la Bible dit. Vous voyez. Donc, ces choses-là ne sont pas chrétiennes. <laughs> il faut proscrire cela. Si Dieu nous donne une certaine liberté dans les rapports que nous avons dans nos foyers, il y a des limites. Toute chose a des limites, il faut comprendre cela. Donc, il y a la sodomie, c'est interdit. Dans la Bible, la Bible condamne cela. L'homosexualité, la Bible condamne cela. Et en tant que chrétien, nous condamnons cela avec toute notre âme, tout notre esprit. Condamnons cela. Et puis, euh, les couples échangistes, l'échangisme dans les couples, nous condamnons cela parce que ce n'est pas de Dieu. L'inceste, par exemple, c'est condamnable. Nous condamnons cela. Donc, il y a des limites qu'il ne faut pas traverser, même quand on est marié. Voilà, il faut comprendre cela. C'est si vous êtes enfant de Dieu, que vous allez prendre, ok, voilà, le frère là, nous sommes tellement, on s'entend tellement, qu'on peut faire l'amour ensemble à quatre. Et puis l'homme va avec l'homme et la femme va avec l'homme. L'homosexualité est condamnée. Ou bien, ok, comme nous, nous, nous aimons, on est libre, on est marié. On peut aussi euh, adjoindre dans notre couple le chien de la famille. Non, la zoophilie est condamnée. Par la Bible. La Bible dit qu'un homme ne couchera pas avec un animal comme on couche avec une femme. C'est une infamie. Voilà, donc c'est ce que la, la, la loi biblique enseigne. Donc, être dans un couple, vous avez la liberté. On ne doit pas venir vous dire ce que vous devez faire, mais levez toujours la tête de temps en temps pour regarder les bornes que la Bible impose au couple. Ces bornes-là sont pour tous les couples, pour tous les humains. Celui qui va au-delà de ces bornes-là, il a péché contre le Seigneur. Donc, pour moi, ma position, c'est que... Dans les pratiques sexuelles et maritales, Garita ou Anna esprozen. Quand je parle en langue comme ça, les gens demandent toujours quel patois je parle. Ce n'est pas mon patois, c'est le parler en langue, le bâton dans le Saint-Esprit. Quand je vais dans le Saint-Esprit, parle en langue. Donc, pour moi, les limitations ont été données. Dans la Bible, il y a des repères à gauche, à droite, devant, derrière. Des repères que la Bible a donnés. Il faut respecter. Ne va pas au-delà de ces repères, sinon tu sors du, de la zone de contrôle par Dieu. La zone que Dieu contrôle. Tu sors hors de la zone que Dieu te donne là, de ce qui t'est permis. Et tu entres là maintenant dans la dépravation, dans l'infamie et tu entres dans la perversité. Donc être enfant de Dieu, c'est être libre dans ses rapports sexuels avec son épouse ou avec son époux, sans tomber dans la perversité. Vous voyez, quand ça devient déjà pervers, c'est un autre problème. Donc il y a des limites. Et ces limites, la Bible les donne. Maintenant, dans les questions où la Bible ne parle pas, comme la fellation, ou bien je sais plus il y a encore quoi quand les positions sexuelles il faut comprendre que dans ce domaine-là la bible n'a pas parlé si c'était dangereux la bible parlerait tout ce qui est dangereux la bible en a parlé parce que Dieu sait que ce qui est important ce qui est important pour nous on devrait connaître cela donc vous voyez un peu Dieu nous donne l'essentiel ce qui peut produire la mort dans un couple Dieu nous a mis en garde de ces choses-là voyez donc mais le reste cela, Dieu n'a pas jugé important de nous en parler parce que, en tant qu'homme, nous avons aussi le sens de la responsabilité et de choix. Donc, nous devons choisir, est-ce si c'est bon pour notre foyer? Est-ce si qu'on doit faire ceci? Est-ce si qu'on doit pas faire cela? Les positions, les endroits où on peut avoir de rapport sexuel en couple, ces choses-là dépendent de nous. Dieu nous a laissé le choix de jouer de cela comme nous voulons et de mettre nos propres bornes, nos propres limites. Donc, un foyer chrétien pourrait dire que, ok, dans notre couple ici, nous, on va seulement faire euh, l'amour là, on va se coucher sur les deux et tu montes dessus, et c'est tout. Et ils font comme ça et c'est normal. Et ils diront que les autres positions là, nous, on proscrit ça. Mais, ils ne doivent pas aller imposer ça à un autre couple, à, au couple des voisins, pour dire que non, vraiment, Dieu demande qu'on ne le fasse qu'à oh, ce qu'on appelle la position pasteur. Donc, nous, ce n'est que la position pasteur qui doit avoir. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, la philosophie sexuelle de mon couple, je ne dois pas l'imposer à, à un autre couple, non. Parce que ce couple-là n'a pas la même vision de la vie que moi. Donc voilà ce qu'il faut savoir. En ce qui concerne le passage que nous venons de lire, la Bible dit quelque chose de très important. Marie, montrez à votre retour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Je voudrais m'adresser plus aux mari, aux hommes ce matin, vous voyez. Ici, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre dit quelque chose de très important. Il exhorte les hommes. On va parler des femmes demain, mais il parle des hommes. Il dit Marie, Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, on peut dire que le mariage, c'est la responsabilité. L'apôtre Paul parle de la sagesse venant de l'homme. La vérité, c'est que dans mon expérience personnelle avec les couples, en tant que conseiller matrimonial ou marital, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes n'ont pas de sagesse. Ils oublient la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. L'homme doit faire preuve et montrer de sagesse avec sa femme. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la femme c'est un, euh, un peu la folie, vous voyez. La femme c'est un peu la folie. La femme c'est un peu la folie. La femme c'est un peu euh, comment dit, la promptitude. La femme c'est un peu l'émotion. Elle est émotionnelle, elle est émotive, vous voyez. La femme est réactive. De la femme, la femme c'est une puissance qu'il faut canaliser. Il faut savoir canaliser. C'est une force. La femme c'est une grande puissance. Alors, chaque, vous verrez que dans le Jardin d'Éden, Adam manquait de sagesse. Et il n'a pas su canaliser la puissance qu'était sa femme. La force, c'est une force brute, la femme. C'est une force qu'un homme doit contrôler. Dans un foyer, lorsqu'un homme ne parvient pas à contrôler l'onction féminine de sa femme, l'être féminin que représente sa femme, alors il y aura destruction dans le foyer. La femme sera débordante. Donc il faut canaliser la responsabilité de l'homme, c'est de canaliser la femme. Si vous ne canalisez pas votre femme, et tu ne peux pas canaliser ta femme si son univers est plus fort que ton univers. Ce n'est pas possible. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je vous dis la vérité. Un homme qui ne contrôle pas l'univers de sa femme ne peut pas canaliser dans le bon sens et au profit de son foyer, et de son mariage, l'onction de sa femme. Il ne peut pas. La force spirituelle de sa femme, il ne peut pas. Donc c'est où nous échouons souvent dans le mariage. Un homme ne doit pas prendre sa femme comme son égal. Vous n'êtes pas égaux. Tu es le chef. Elle est une aide. Donc ça fait la différence. Et quand tu es chef, un bon chef doit savoir comment se conduire avec celle qui a été mise comme une aide auprès de lui. Il ne doit pas rivaliser avec elle. Vous n'êtes pas le même niveau. Non. Un homme ne doit pas se prendre, ne doit pas prendre sa femme comme son égal. Pour dire, ok, comme tu fais ça, moi aussi je vais faire. Ta femme t'insulte, tu dis que moi, je vais t'insulter. Tu me touches, je te touche. Non, tu te mets un peu au même pied d'égalité, tu n'es plus un chef. Tu es un rival avec ta femme. Or, oh, dans les rapports avec la femme, il faut que l'homme ait un esprit supérieur à celui de sa femme, un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est quoi? C'est que, parfois, il y a des choses que ton épouse va faire dans sa folie, elle va manifester, manifester sa folie, et toi, tu manifestes la sagesse, ta sagesse de père. Tu es son père. Tu es le père de ta femme, tu es son chef, tu es son aîné. Si on prend ça, et si tu es homme de Dieu, tu es son père spirituel en même temps. Vous voyez. Donc, tu es son père, tu es son père spirituel, tu es son aîné, tu es son chef. Ça fait plusieurs casquettes. Et au nom de ces casquettes, tu ne dois jamais accepter que les folies de ta femme te fassent sortir de tes gonds ou te fassent perdre contrôle. À chaque fois que les actes de ta femme te font perdre contrôle, ça veut dire que tu ne contrôles pas l'univers de ta femme. C'est un problème sérieux. En tant qu'homme. Et maintenant, en tant qu'homme de Dieu, nous devrions comprendre une chose. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur est-ce que la femme d'un homme de Dieu. Est forcément appelé à être pasteur La réponse généralement c'est non. La réponse c'est non. Elle n'est pas forcément, c'est pas obligé. Il y a des femmes qui te diront que non vraiment, euh, moi les choses de l'église, je ne suis pas dedans. Dans l'église, quand vous faites vos choses là, elle est comme ça. Elle a les bras croisés. Elle ne participe en rien. On adore là, la... elle n'est pas dedans. Tout ce qu'on fait, elle est comme ça. C'est à la maison qu'elle est forte, elle peut prépare pas et tout. Donc, est-ce que c'est bon pour un homme de Dieu Je dis non. Personnellement, je dis c'est pas bon pour un homme de Dieu. Si ta femme ne peut pas te soutenir dans le ministère, en tant qu'homme de Dieu, ça pose un réel problème pour ton ministère. Si ta femme n'est pas intéressée dans ton ministère, euh, cher homme de Dieu, cher frère, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et, lorsque la femme d'un homme de Dieu n'est pas intéressée par son ministère, il est important d'aller voir pourquoi elle n'est pas intéressée. Le plus souvent... Les raisons qu'on nous donne en public, ce n'est pas la vérité. Parfois, ce n'est pas que la femme ne veut pas s'intéresser au ministère, mais c'est qu'elle est frustrée dans sa maison. C'est que l'homme la brutalise, l'homme la méprise, l'homme l'ospille, l'homme la saboule, l'homme la néglige, l'homme la josifie. Elle se sent donc chosefiée. Et une femme josifiée dans sa maison, dans son foyer, comment voulez-vous qu'elle montre de la disposition vulanistique dans le sens ministériel Elle ne pourra pas. Elle ne peut pas. Donc le plus souvent.. Les femmes, des hommes de Dieu qui ne s'impliquent pas dans le ministère, en fait, c'est la réverbérance, la rémanence, la réminiscence, la conséquence juste du fait qu'elles sont frustrées dans la maison. Ça veut dire que le mari ne les respecte pas, elles sont grondées devant les enfants, grondées devant les étrangers, méprisées, elles sont piétinées. Parfois, il y a des hommes de Dieu qui tapent sur la femme. Je me souviens que lorsque Momi avait la main, la main, sa main en ça dit, l'église, les hommes sont méchants! méchants! Et les hommes de Dieu, méchants! méchants! Ça dit, il y a des gens dans l'église, les cœurs sont tellement noirs! Que même les bouches sont noircies à cause de la méchanceté, la calomnie vis-à-vis -vis des autres. La méchanceté a débordé parmi le peuple de Dieu. La méchanceté, la haine, la jalousie. Il y a des gens qui sont noirs de haine. C'est-à-dire, quand il te voit parler comme je parle là, il y a des gens, quand ils me voient faire le dire comme ça, ils disent, le type, s'il n'est pas mort, il va mourir quand Mon ami, tu vas me supporter. On va se serrer au comme ça. Je ne veux pas mourir. I will stay with you. C'est avec toi. Tu vas m'écouter. Tu seras obligé de te connecter. Si tu es connecté à ma page, tu penses que c'est toi qui le veux. C'est une punition de Dieu. Tous mes ennemis, que Dieu te punisse en te donnant les crédits, la connexion. Tu vas me suivre. Tu vas regarder comme ça, tu vas mourir. Ton cœur sera dû comme celui de Nabal. Le sort de Nabal sera ton sort. C'est ça la vérité. Jusque je vous comprendrai que personne ne détient le destin d'un autre dans sa main. Les jaloux ne feront que reculer dans la vie. Il y a quelqu'un, la femme d'un grand homme de Dieu dans ce pays, qui appelait la femme d'un autre grand homme de Dieu dans cette nation, pour dire que j'ai appris que le prophète dit Ferdinand frappe sur sa femme. C'est pour cela que son bras est comme ça. Il trompe les gens que c'est un accident. Vous regardez la honte aujourd'hui Et ça, vous imaginez Où est le discernement Où est l'esprit de Christ pour nous aider à connaître la vérité Pourquoi toi qui es femme de Dieu, Dieu ne t'a-t-il pas dit que non, ma servante est en train de lutter contre un cancer du sein et que ça, c'est la répercussion de ce cancer du sein qui fait enfler son bras Pourquoi Mais ils ont répandu, et entre les grandes femmes, répandu la calomnie que je tame ma femme et que je lui casse le bras. Beaucoup de gens disaient ça. Il a cassé son bras. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, qu'ils apprennent la, la vraie version. Mais les gens à qui vous avez déjà empoisonné conscience, que moi je suis un tapeur de femmes, vrai, frère, entre nous. Comment est-ce qu'on en est arrivé Jusqu'à ce point, il faut faire attention. Si dans ton foyer, on te tape, nous, ce n'est pas comme ça qu'on a appris Christo. Jamais. Nous, on a appris le dialogue et la douceur. Et je pense que les gens, je peux raconter combien de fois mon épouse se mettait à genoux devant moi pour dire merci. Elle pleure. Et je te dis merci de que pour l'homme que tu es pour ma vie. Toi, ta femme s'est déjà mise à genoux combien de fois pour te dire merci Elle regrette plutôt de t'avoir épousé. Quoique tu sois un homme de Dieu, tu parles à ta femme comme si c'était à une chose que tu parlais. Tu méprises ta femme. Maintenant, à l'église, elle est timide. Elle ne peut pas. Elle est frustrée. Une femme frustrée ne peut pas se libérer à l'église. Ce n'est pas possible. C'est ça que tu peux voir un homme de Dieu. Il est <laughs> vraiment. Combien de fois avez-vous avez vu cela Moi, plusieurs fois. Comment peux-tu expliquer qu'un homme de Dieu, tu es ton ministère, et ta femme laisse ton ministère pour aller persévérer ailleurs C'est parlant. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui se sent marginalisée, une femme qui se sent saboulée, une femme qui se sent méprisée, qui ne se sent pas aimée, ni respectée, qui ne sent pas le droit du ministre de l'intérieur qu'elle est dans sa maison, ne peut pas avoir de motivation. Pour se sacrifier pour ton ministère en tant qu'homme de Dieu. Donc, si ta femme n'est pas partante, ne viens pas nous mentir que non, Dieu ne l'a pas appelé pour le ministère. Non, 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 non. Fais, fais attention. Il y a des femmes d'hommes de Dieu qui sont des énergies gaspillées, qui sont des trésors gaspillés dans nos foyers aujourd'hui. C'est des trésors gaspillés. Elles sont maltraitées. Elles ne sont pas respectées. Et si nous ne respectons pas nos propres femmes en tant qu'hommes de Dieu, quel enseignement donnerons-nous aux générations futures Si ta femme. N'est pas respectée. Elle n'est pas engagée dans ton ministère. Donc, je veux dire quoi Je veux dire qu'on ne peut pas justifier l'inertie d'une femme, de pasteur, dans le ministère de son mari par le fait qu'elle ne soit pas appelée. Avant de conclure qu'elle n'est pas appelée, il faut d'abord voir comment elle est traitée dans sa maison par son mari, en tant qu'homme de Dieu. C'est important de le savoir. Donc, si une femme est respectée, elle va aimer ce que son mari fait. Si elle n'est pas respectée, elle ne peut pas. Puisqu'elle n'a pas l'opportunité, la possibilité ne lui est pas donnée. Or, un homme de Dieu doit donner l'opportunité à sa femme de s'exprimer à la maison d'abord et oh, à l'église après. Tu ne peux pas lui demander de s'exprimer à l'église et à la maison, tu la coinces, tu la méprises, tu la gifres, elle veut parler moins, tu la gifres. Le caractère d'un homme de Dieu ne doit pas être la violence. Non, mais la tempérance, l'amour, la sagesse. Ce n'est pas parce que ta femme t'a mal parlé que tu vas aussi te lever, tu commences à, lui, à mal lui parler. Finalement, entre vous deux, qui est la femme, qui est l'homme. C'est un problème. Il faut qu'il y ait bien une démarcation entre la femme, une démarcation entre l'homme. L'homme est fait pour manifester la sagesse dans son foyer. Et c'est cette sagesse qui ramènera le cœur de ta femme, même si elle est insensée. La sagesse est une puissance pour les hommes. L'homme doit avoir besoin de sagesse pour diriger sa maison, sa famille tout entière. Ce n'est pas tout qu'on dit à sa femme devant tout le monde. Il faut la sagesse. C'est n'est pas tout qu'on dit devant sa femme, devant les enfants. Il faut la sagesse. Et ce n'est pas n'importe quelle manière de posture langagière qu'il faut adopter quand on veut parler à sa femme. Il faut la sagesse pour ça. Sinon, tu vas te retrouver en train de bêtiser comme ta femme. Et puis, on ne connaîtra plus qui est l'homme ou bien qui est la femme. Donc, la question de, à se poser, c'est que la femme, si elle ne participe pas à mon ministère, pourquoi C'est pourquoi d'abord Dis-nous pourquoi elle ne participe pas à ton ministère. Ou bien alors, pourquoi ta femme laisse ton ministère pour aller persévérer ailleurs Mais c'est trop fort. Ne viens pas nous raconter que c'est une sorcière. Non. Parce que après les hommes de Dieu déclarent leurs épouses sorcières lorsqu'ils veulent déjà se débarrasser d'elles. Parce se rend compte que vraiment la femme a pris une position et, et au lieu de changer, elle a pris une position. Une femme peut prendre une position, et dire Ok, moi je te laisse avec ton ministère parce que tu ne m'inclus pas. Déjà, si ma propre maison, je n'arrive pas à être, à être libre de la gérer comme je veux, alors il y a un problème. Il y a un problème. C'est là que la porte Pierre dit que pour éviter ce genre de conflit dans les foyers, les hommes de Dieu ou les frères, même les frères en Christ, quand ta femme. N'est pas engagé dans tes affaires. Un ne peut plus aller dans la boutique s'asseoir. Elle ne peut pas être mêlé dans tes affaires. C'est parce que, premièrement, les premières affaires auxquelles il faut mener, il faut mêler vos épouses, c'est d'abord vos propres maisons. C'est ta maison. Je vous dis la vérité devant Jésus qui m'a appelé. Je suis homme de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, après le départ de mon épouse, je ne connais pas où elle a mis les cartes bancaires. Je ne connais pas les mots de passe des cartes bancaires. Le jour où on est allé ouvrir, on est allé ouvrir... Euh, euh, le, 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 compte, notre compte bancaire, la banque, la banque, c'est la banquière, le banquier, la banquière, ou je crois que c'est ça, vous savez, je viens de me réveiller. Donc, la banquière a posé une question devant ma femme, et on est devenu amis avec la banquière là, juste aujourd'hui, elle suit même direct. Elle m'a posé une question, pasteur, vous ouvrez le compte, ça dit que, hey, hey, qu'est-ce qu'elle m'a même posé la question? Donc, la question allait dans le dans le, le, le sens où, attendez, donc, et si vous savez ce que vous faites, ça veut dire que votre femme gère le compte avec vous. Hein, elle n'a pas besoin de votre signature pour toucher l'argent. Elle peut vider votre compte. Débat mon épouse, elle m'a demandé ça. Je lui ai dit oui. Je sais, c'est ça que je veux. Elle a dit, waouh, ça, je suis banquière. On ne voit pas ça ici comme ça. C'est rare. Elle a dit, c'est rare. On a les pasteurs qui viennent ici. On a des hommes d'affaires qui viennent ici. On a des autorités gouvernementales qui viennent ici. Mais... On n'a presque jamais vu un homme qui fait de sa femme co-gestionnaire de son compte bancaire. Qu'est-ce si qui se passe à vos oranges Ça, c'est dommage vraiment. Donc, regardez, il dit qu'il faut user de sagesse envers nos femmes. Il dit, mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc, un homme de Dieu, un mari doit montrer de la sagesse avec sa femme, pas de la folie. Il y a des couples, même des hommes de Dieu, où l'homme de Dieu est plus fou que la femme. Où l'homme de Dieu dit à sa femme que, tu montres que tu es folle, non je vais te montrer que je suis plus fou. Et vous mettez la Bible où dans votre mariage. C'est pour ça que votre mariage va échouer. Votre mariage va échouer. Comment tu peux dire à ta femme que, tu montres que tu es folle, je te montrer que je suis plus fou que toi. C'est un problème. Mon ami, la fondation de ton mariage n'est plus sur la Bible. Et donc, automatiquement, tu vas récolter... Ce que tu peux faire, parce que la femme, naturellement, est folle. Et si tu veux devenir fou, mon ami, toi, tu deviens. Elle, elle naît comme ça. Elle a la folie, les germes de la folie en elle. C'est pour ça que oh, l'homme, lui, a les germes de la sagesse en lui. C'est pour ça qu'Adam pouvait vivre des millénaires dans le jardin de des sans jamais aller vers l'arbre qu'on lui avait interdit. Mais la femme, ayant les germes de la folie en elle, est partie là-bas. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme, lui, a les germes de la sagesse. Et il faut la sagesse pour contrôler canaliser la folie mais si toi qui as les gemmes de la sagesse tu veux te comparer à celui qui a les gemmes de la folie tu deviendras fou c'est-à-dire que tu tu vas te mais tu, tu deviendras fou tu vas devenir fou tandis que elle elle est née avec les en elle et il faut que tu canalises cela la bible dit que Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible vous voyez comme avec un sexe plus faible en fait quand elle parle de sexe plus faible ça, il ne s'agit pas de la folie, de la, de la faiblesse physique. Non. Il s'agit de, de la folie. Tout simplement, c'est la folie. Donc un homme ne peut pas faire la folie avec une femme. Ne te mesure pas, ta femme, dans le domaine de la folie, elle va te battre. Elle ne peut pas se mettre à se chamailler, se quereller avec la femme. La femme, normalement, elle, sa bouche, il y a le moteur dedans, il y a moteur, turbo, biturbo à l'intérieur. Tu ne peux pas bavarder comme elle. Tu vas dire, elle est déjà mille. À la fin, tu vas te rendre compte que la seule chose, c'est de donner, d'envoyer le coup de poing pour fermer sa bouche. Tu ne pourras plus arrêter sa bouche. Donc, le mieux, c'est d'utiliser la sagesse et endormir sa bouche et métamorphoser sa bouche afin que la folie ne sorte pas de sa bouche, mais que ce soit du miel qui sorte de sa bouche. Donc, quand tu traites mal ta femme, lorsque tu ne respectes pas le mode d'emploi de ta femme, elle deviendra quelque chose que tu ne supporteras pas dans le foyer. Donc, le plus souvent, le comportement et le caractère de nos épouses dépendent de la manière dont nous les traitons. La femme, elle, c'est pas une question de sagesse. C'est ta sagesse qui doit couvrir ta femme. C'est ta sagesse que tu dois lui impacter. Laissez-moi vous euh, dire quelque chose. Vous voyez Vous savez, ça, c'est des choses que je n'ai jamais dites. Hein? On n'a jamais parlé de ça euh, quand, on était, quand mon mère était vivante. Euh, je sais que quand j'ai dit que j'ai une confession à faire, les gens font fait les oreilles comme ça, qu'on les entend paraboliques. Pour dire qu'on va encore suivre quoi là ce matin. Alors, les gens m'ont écrit hein? il y a encore quoi Qu'est-ce qui se passe encore non? Il y a encore quoi Mes amis. Si tu aimais le buzz comme tu aimes, hein, si tu aimais la Bible ou Dieu comme le buzz là, je te dis, il y a des gens qui n'ont jamais été contents à ma page. Ils sont revêtus ce matin. Comment suivre la confession que le Dieu l'avait encore fait? Je n'ai aucune confession à vous faire. Si ce n'est d'aimer Jésus plus que le buzz, si ce n'est d'attacher à la vérité plus qu'au buzz. Si tu aimais le buzz, tu aimais Dieu comme tu aimes le buzz là. Longtemps ton nom serait écrit en or dans le livre de la vie éternelle. C'est ça la vérité. Les chrétiens de buzz. Il faut aimer Dieu plus que le buzz. Donc, je disais que, vous avez, on a traversé une période un peu compliquée avec ma femme. À l'époque, lorsqu'elle s'est rendue compte que les années passaient et qu'on n'arrivait pas à voir des enfants, vous voyez, ça l'a beaucoup frustrée. Ça a beaucoup touché sa vie. Ça l'a beaucoup. Son comportement a été beaucoup modifié. Et ça fait qu'elle était constamment nerveuse. Elle était nerveuse. Toujours nerveuse. De la moindre chose que tu pouvais dire, donc elle était. Pour elle, elle sentait qu'elle n'est pas. Elle me disait toujours, je ne me sens pas femme. Tant que je ne peux pas te faire un enfant, ça dit que je ne sers à rien. Et moi, je lui disais toujours, non, tu vois, je ne pas épousé pour un enfant. Je ne pas épousé pour un enfant. Oh, il y a des hommes de Dieu qui divorcent de leurs épouses parce qu'elles n'accouchent pas. Mes amis, c'est ta femme qui a décidé d'être stérile. Si tu étais dans à ta place, à sa place, supposons que tu étais la femme, et toi, ton mari te traite comme ça, ne trouverais-tu pas que c'est une injustice Est-ce que quelqu'un choisit que moi, monsieur, ce n'est que pour te purifier. Vraiment, la connexion de ce matin, c'est très mauvaise. C'est très mauvais. Voilà. Désolé, hein? Vraiment. Ça, c'est Orange qui dérange. Donc, on, on, ça nous vole de vraiment un temps pour rien. Et dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe faible. Ça à dire que ta femme n'est pas ton égale. Un homme sage ne s'égale pas à sa femme. Donc ça fait qu'il y a des choses qui va excuser, des choses qui vont minimiser, des choses qui vont négliger. Pourquoi Parce que c'est un sexe faible. C'est pas... Toi, tu, tu es le chef, c'est un sexe faible. Tu ne la suis pas dans ses folies, tu essaies de la ramener avec sagesse. Tu lui parles. La violence ne résout rien dans un couple. Je répète, la violence ne résout rien dans un couple. Et vous devez savoir une chose. La Bible, fait, on nous enseigne, enseigne en philosophie que l'homme est un animal grégaire. L'homme, c'est un animal d'abord. Donc, aucun homme ne peut accepter d'être écrasé pour toujours. Donc, une femme, aussi soumise qu'elle soit, n'acceptera pas que son mari l'écrase toujours, elle finira par se rebeller. Et les femmes ne provoquent pas sa folie. Non, aide-la à la contaminer par les germes de la sagesse que tu as, si tu en as. Ouais. donc, la femme n'est pas faite pour la comparer, pour se comparer à elle dans le domaine de la folie. Tu ne peux pas la battre là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt la ramener. C'est un sexe faible. Ça veut dire qu'elle manque de sagesse. Comme toi l'homme, elle manque parfois de bon raisonnement, elle manque parfois de bon sens. À toi de l'éduquer, d'être un bon grand frère pour elle, d'être un bon père pour elle, d'être un bon conseiller pour elle. Dans tous les cas, tu as besoin de sagesse pour euh, euh, pouvoir profiter du maximum du bien que ta femme peut produire. Pour voir pour que ta femme produise. Quand vous voyez comment nos épouses se démarquent là. Nos épouses sont zélées. Nos épouses, une femme dont le cœur n'est pas tranquille. Ne peut pas être épanouie dans le ministère de son mari ou bien dans les affaires de son mari, ce n'est pas possible. Quand vous voyez une femme épanouie dans les affaires ou dans le ministère, là, elle est toujours souriante, elle presse à votre tour. Ça veut tout simplement dire qu'elle est bien traitée par son mari. Une femme qui se sent méprisée sera frustrée, elle ne peut pas donner le meilleur d'elle. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie. Il dit, honorez-les. Chaque homme doit honorer sa femme. L'homme est fait pour honorer sa femme. Voilà ce que la Bible nous dit. Il faut honorer ta femme. C'est-à-dire que tu la méprises pas, c'est le contraire de mépriser sa femme, de chosifier sa femme, de parler à sa femme comme si c'était n'importe qui une bonne dans la maison, etc. Non, il faut honorer ta femme. Quand il l'honorer, sur le plan relationnel des rapports, il faut l'honorer. La manière de lui parler, tu lui parles avec honneur. Tu dois l'honorer en lui donnant ce qu'elle veut. Ça à dire qu'il faut lui faire de, de beaux vêtements, de beaux cadeaux, de belles chaussures à la mesure des moyens que Dieu te donne. Tu l'honores. Une femme doit se sentir honorée par son mari. Elle doit se sentir honorée. Parce que si on n'aime pas, on n'honore pas. Quand on méprise, on n'aime pas. L'amour ne méprise pas. Non. L'amour n'insulte pas. Non. L'amour honore. C'est-à-dire que pour savoir que votre mari vous aime, madame, cela va vous honorer. Il y a des choses qu'il va faire pour vous. Des belles surprises qu'il fera pour vous. Dans tous les cas, vous, vous vous sentirez honoré. Quand on se sent honoré, on sait qu'on est honoré. Vous voyez Donc, c'est l'honorer sur le plan vestimentaire, l'honorer sur le plan sexuel, l'honorer sur le plan marital, sur le plan relationnel, l'honorer aux yeux de ta famille. Ne jamais aller dénigrer ta femme aux yeux de tes frères, de tes soeurs, de ton père ou bien de ta mère. Jamais de la vie. Tu l'honores toujours, tu l'élèves toujours, tu l'exaltes toujours, tu chantes toujours ses louanges. C'est ce que la Bible recommande à chaque homme et à chaque homme de Dieu. Un homme de Dieu doit honorer sa femme. La femme est sacrée, mes amis. Oh, que je pleure. Je pleure, je vous dis la vérité. Mommy était là, j'allais encore vous montrer bien comment on honore une femme. J'allais vous montrer comment on honore une femme. Puisqu'aujourd'hui, ma belle sœur dit toujours, quand elle prie, Seigneur, je veux un mari qui va m'aimer, m'honorer, comme mon beau frère honorait ma sœur. C'est ça la vérité. Si j'étais un tyran là, que je martyrisais sa sœur, vous pensez qu'elle devait encore rester avec moi Elle ne resterait pas là. Ma belle famille ne serait pas là. Je leur ai montré comment on respecte une femme, comment on honore une femme. Ce que c'est que la femme. La femme, c'est un don de Dieu, c'est une fleur qu'il faut arroser un jardin. Oh, Zamata. Oh, Seigneur. J'étais avec des jeunes hommes de Dieu, mes jeunes frères hier, des jeunes prophètes de cette nation. Et je leur disais, je leur ai dit, aimez vos femmes, je vous en prie. J'étais pressé en larmes. Je leur disais, aimez vos femmes. Moi, Dieu m'a privé de cette grâce. Aimez vos femmes, je les suppliais. Mais si elles vous font quoi Pardonnez. Ne tenez pas compte de leur folie, de leur sexe fait. Compte. souvenez toujours que c'est sexe fait. Vous, soyez sage. Et ça changera votre femme. Et à la fin, votre femme deviendra une mère sage. Oui, elle deviendra sage. Parce que tu lui donneras ta sagesse. Il dit, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Vous voyez Il dit, montez à votre tour de la sagesse d'avoir rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Écoutez, il y a des hommes de Dieu qui ont dévalué leurs épouses en pleine église, dans le ministère. As dans ton église, tout le monde voit comment tu méprises ta femme. Tout le monde voit comment. Tu piétines. On sent que ça ne va pas. Tu n'es pas un bon mari. Tu méprises ta femme. Tu humilies ta femme en public dans l'église. Les gens me connaissent. Depuis que notre ministère existe ici, sept ans où nous avons vécu avec Momi, dans ce ministère. On n'a jamais vu, on m'a jamais vu mépriser ma femme un jour ou lui agresser une certaine parole dans l'église, jamais de la vie. Quand on aime, on honore. Quand un homme aime une femme, il honore. Tu ne peux pas déshonorer ta propre épouse dans ton ministère. Et après, tu viens dire que ce n'est pas la femme du ministère. Vraiment, cette femme-ci, elle n'était pas appelée. Non C'est toi qui l'as refroidi. C'est toi qui l'as descendu. C'est toi qui l'as dénaturé. C'est toi qui l'as défiguré. C'est toi qui l'as désagrégé. C'est toi qui l'as caricaturé. C'est ça la réalité. On voit des hommes de Dieu comme un homme de Dieu méprise sa femme devant les fidèles. Il parle à sa femme n'importe comment. Il fait des déclarations. Il punit sa femme à l'église. Qui vous a appris ça Sincèrement. Il faut faire attention. Il humilie sa femme en pleine église. Même les brebis, là, celles qui sont sages, vont changer d'église. Elles vont fuir l'église. Elles comprendront que vous êtes un mauvais mari, vous êtes un mauvais père. Vous tyranniez, vous êtes un tyran. C'est ça la vérité. Vous manquez de sagesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas reprocher à son épouse en public, surtout pas à l'église. Tu l'attends à la maison. Le jour elle va changer, les brebis là ne vont pas changer la vision qu'on a d'elle. C'est ça le problème. Il faut faire attention. Un homme de Dieu, et je vais vous dire une chose. Je fini là, on est en retard. Ça nous a pris trop de gens. Lorsque vous remarquez un homme de Dieu qui n'aime pas mettre son épouse en avant, et après qui va raconter que non, ce n'est pas tous les hommes de Dieu, toutes les femmes qui sont appelées au ministère, la femme n'est pas forcément appelée au ministère son mari, non. C'est que le gars ne veut pas trop habituer le peuple à sa femme. De peur que sa femme ne gagne le cœur du peuple, qu'elle ne soit aimée par le peuple, et que demain, si elle disparaît là, que ça cause des problèmes. Non, il y a des hommes de Dieu, ils sont prévoyants, nous le savons. Ils sont prévoyants. Ils n'exposent pas sa femme parce qu'ils se disent que tôt ou tard, elle peut disparaître des coulisses, elle peut disparaître des radars. Et comme ça, comme le peuple n'était pas habitué, il n'a pas trop exposé, les gens ne, ne vont pas trop demander où elle est. Ils vont juste voir une deuxième là et puis on va s'adapter. Et puis c'est ça la vérité. Certains hommes de Dieu ne mettent pas leurs épouses devant la scène expressément parce que leurs cœurs ne sont pas bons. Un homme de Dieu qui sait qu'il va mourir avec sa femme n'a rien à perdre. Donc, il met sa femme en avant. Il la met en avant autant que lui. C'est-à-dire qu'il veut qu'elle soit honorée dans le ministère autant que lui. Donc une femme qui n'est pas honorée dans ton ministère ne peut pas aussi s'ouvrir pour participer au ministère parce que tu ne lui donnes pas l'occasion. Donc je vais dire quoi? La plupart des hommes de Dieu, dont les femmes ne sont pas dédicacées, ne sont pas dédiées, je voulais dire, dans leur ministère, c'est la frustration. Ils ne leur donnent pas l'opportunité. C'est ça la seule vérité qu'il faut savoir. Donc il ne faut pas après venir nous embrouiller que non, la femme n'a pas eu la vocation, elle n'a pas été appelée au ministère. Ce n'est pas la vérité. La plupart des hommes de Dieu qui disent ça n'ont pas de bon rapport avec leurs épouses. Et la plupart des hommes de Dieu que moi je connais qui ont le bon rapport avec leur femme, leurs femmes sont épanouies à la maison et à l'église. Ils n'ont jamais tenu ce genre de langage. Donc, le plus souvent, c'est la rémanence de l'échec que nous avons, que nous produisons dans notre foyer. Pourquoi Parce que l'homme ne veut pas d'abord jouer son rôle d'homme. Donc, quand il y a échec dans le rapport entre un homme et une femme, la première chose, la bonne personne à se remettre en cause doit être l'homme et non pas la femme. C'est l'homme qui doit se poser la question est-ce que j'ai usé de sagesse envers ma femme Premièrement, deux, et c'est sujet d'honneur. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a quelque chose que je voulais partager avec vous avant de partir. Laissez-moi encore cinq minutes, s'il vous plaît, parce que la condition nous a dérangé Donc, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous, et avec les hommes surtout. Les hommes qui ont connu mon cas, ça veut dire que tu épouses une femme, on découvre qu'elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Quand on, on, va, on, on va épouser, on va se marier avec mon épouse, on va découvrir à l'hôpital que ces deux trompes sont bouchées. Et on va aller en prière, Dieu va y, intervenir. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu que. Ça a été l'apéro la plus difficile à vivre avec mon épouse, je vous dis la vérité. Pour moi, ça a été l'apéro la plus difficile pour moi. Pourquoi Parce que le manque d'enfantement, à un certain moment, l'a poussée, l'a poussé à modifier son caractère. Elle est devenue très nerveuse. Donc, pour un rien, elle pouvait se fâcher contre moi. Elle me fait des reproches, me fait des pamphlets, des diatribes. Pour un rien, elle pouvait se, se, se fâcher. Donc parfois, le vêtement, son vêtement par hasard pouvait se retrouver au sol. Et elle se fâchait pour un vêtement au sol. Et j'étais, il me disais, waouh, un vêtement au sol, mon, mon amour, tu te fâches comme ça. Donc, j'ai compris qu'en fait, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant a modifié son caractère. Et j'ai compris qu'elle avait besoin de mon soutien. Donc parfois, je la faisais à soi, je lui disais chérie, ça c'est pas toi qui agis comme ça, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme. C'est ton problème qui a modifié ton caractère. Et il ne faut pas accepter que ce problème modifie ton caractère. S'il te plaît, prends-moi déjà comme dix fils. Je vaut mieux que dix fils pour toi. Donc, sache que, que tu aies des enfants ou pas, je suis ton mari, je t'aimerai. Parce que toute femme normale va se dire que, ah, peut-être que je n'ai pas d'enfant, mon mari va changer d'idée, il va aller prendre une autre femme ou bien il va aller dehors. Donc, toutes ces choses-là peuvent modifier son caractère. Et moi, je l'exhortais tous les jours. Dieu me moi. Quand elle faisait ça, je l'embrassais. Je lui disais écoute, sois patiente. Sois patiente. Sarah a attendu 25 ans. Toi, on n'a même pas encore 4 ans de mariage que tu te, tu, tu te laisses déjà influencer comme ça. Et puis, je l'exhortais et ça l'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que ma femme était prête à mourir pour moi. Elle était prête. Malgré ça, elle disait viens t'asseoir sur mon, mes genoux. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais manqué de respect parce que parfois, elle était agressive me concernant. Non, non, elle était nerveuse, nerveuse sur rien, elle pouvait s'énerver. Donc ça fait que j'étais plutôt méticuleuse, je faisais attention sur comment il fallait se comporter vis-à-vis d'elle, et je l'accompagnais dans les prières, et quand il s'est dit, viens, mets-toi à genoux, on se met à on se tient les mains, on prie. C'était ma réaction face à la manifestation de son humanité, de, son, de sa féminité. Et ça fait que, lorsque le temps a passé, ma femme a compris que non, c'est l'homme ce qu'il me fallait. C'est ça que sa famille, personne ne comprenait l'attachement que nous avions entre nous. Personne ne comprenait. Personne ne comprenait comment ma femme était si attachée à ma personne. Comment nos âmes étaient si attachées. C'est qu'il y a des actes que j'avais posés. Qu'aucun homme n'avait jamais posé pour elle. Des actes sacrificiels. J'avais supporté des choses vis-à-vis d'elle. Qu'aucun autre homme aurait dit que va t'en vraiment, fous-moi le camp. Tu n'es pas la seule femme, etc. C'est etc. ça un homme. Tu dois amortir la folie de ta femme. Quand ta femme de pomme, elle trouve que tu es le matelas. Tu es Donc, et, et cette douceur-là, même si la femme-là était le diable, elle va changer. Parce que c'est par amour que nous changeons les gens. C'est la maturité qui changera ta femme. C'est ton amour qui changera ta patience envers elle. Donne-lui du temps pour changer. Donne-lui de l'éducation. Fais de ta femme ton idéal. Fais d'elle ton paradis. Partage avec elle tes idéaux. Donc, si tu ne peux pas le faire, je te dis la vérité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ta femme... C'est-à-dire, ton manque de sagesse fera qu'elle soit encore plus folle. Elle avancera plus dans la folie. Et votre foyer ira dans la catastrophe. Il ira vers une catastrophe certaine et non pas vers la gloire. Donc, chers hommes de Dieu, chers amis, chers fils, je veux parler à mes fils. Mes fils, toi qui méprises ta femme, tu n'es pas mon fils. Je te renie. Je te renie. Si tu maltraites ta femme, je te renie. Tu n'es pas mon fils. Si je suis ton père, traite ta femme comme j'ai traité ta mère. Je vous dis la vérité. Traite ta femme. Honore ta femme. Tout le monde peux voir comment j'ai honoré mon épouse. Même après sa mort, je l'ai honoré. Je n'ai pas accepté qu'on méprise sa mémoire. Et je défendrai sa mémoire jusqu'à ma mort. Je ne permettrai à personne. Il y a des gens qui m'ont dit non. Vraiment, vous ne parlez trop de votre femme. Ah, elle est déjà morte. Écoutez, quand elle était vivante, je ne parlais pas d'elle. Je parlais d'elle. Toi, quand ta femme va mourir, va l'enterrer dans une poubelle. C'est toi là-bas. Ta façon de parler montre déjà comme, <laughs> la position que ta femme a dans ton mariage. Et je nom, je nomme Mathieu, je sais comment ça se passe. Quel homme peut se lever pour dire que non, ah, regardez ça, c'est quoi ça Il dérange avec sa femme là. Ça montre que ta femme, pendant que sera la mort la morgue, la deuxième sera en train d'entrer. C'est ça la vérité. Pendant que ta femme sera malade, tu seras déjà en train de fiancer. Votre parole nous révèle qui vous êtes. Votre mentalité. Ta parole peut aider à connaître quel, part, quel genre de personne tu es. C'est ça la vérité. Ça veut dire que quelqu'un perd son épouse. Il parle son époux. Pour toi, non, il fallait l'oublier. Il faut l'oublier. Ça montre que toi, ta femme, tu vas aller... On enterre, tu essaies d'honorer, tu enterres. On dit non. Regardez là où il va enterrer sa femme. Je comprends que toi, tu vas enterrer ta femme à Isaac. Tu vas jeter même son cadavre quand Isaac va vers le matin. Là, bon, 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 tu jettes son cadavre là-bas, tu t'en débarrasses. Ça montre ta mentalité. Ça montre ta personne, ton esprit. Ça montre comment tu traites ta femme. Ça montre que tu es un mauvais mari. Parce que si tu n'honores pas la dépouille de ta femme, ce n'est pas sa vie que tu honoreras. Ce n'est pas possible. Tu n'honores pas la dépouille de ton conjoint. Et ce n'est pas sa vie que tu honoreras. Ce n'est pas la vérité, mon ami. Ça me montre que tu es un homme mauvais. Tu es une mauvaise personne. C'est méchant même d'abord. C'est méchant. Tu es une méchante personne. Non, tu n'es pas une bonne personne. La femme que tu as là, elle souffre. Elle souffre. Elle souffre. C'est ça la vérité. Elle est en train de souffrir. Ton expression langagière nous dit qui tu es. Donc il faut comprendre, frère. L'amour est doux. L'amour au nord. L'amour au nord. Même après la mort. L'amour au nord. C'est ça qu'on doit vous dire. L'amour au nord. Que la sagesse de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous délivre de la folie. Qui vous donne la paix dans vos foyers. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Si vous faites la guerre, personne ne sortira vainqueur. Personne. Vous tous, hommes et femmes, vous serez perdants. Donc, vaut mieux choisir la paix. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois connecté ce soir à partir de 17h pour mon direct, pour le séminaire sur le mariage. Comme tu es connecté, Dieu te bénira et t'amènera encore très loin. Mon désir, c'est que vous réussissiez dans vos foyers. Mon désir, c'est que le manteau que Dieu m'a donné, mon Michalom et moi, ne soit pas perdu. Mais que cette grâce repose sur vous. Que la gloire de notre foyer ne se perde pas. Je pleure aujourd'hui, mais je sais que Dieu peut me consoler en vous accordant la paix, l'amour, la dignité. L'honneur dans vos foyers. À bon entendeur, salut. Que Dieu t'aide et que cette journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain dès qu'il sera six heures pour notre édition de à la lumière des saintes Écritures. Shalom, shalom, shalom.